Oh, allô. Il a répondu. Oh putain de merde. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. En fait c'est normal, il dit allô. Il a répondu. Il dit allô. Pas qu'il allait me dire DIM. Ok, salut les guerriers. Bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, deuxième épisode du Fit Game New Coach. Et on a pris des gros youtubeurs. On va avoir des youtubeurs à 1 million d'abonnés. À plus. 2 millions d'abonnés. À plus. À 8 millions d'abonnés. Mais aussi des youtubeurs à 100 000, 80 000 et 2 000. Il y en a pour tous les goûts, les gars. Ouais. Donc on va appeler tous ces youtubeurs. Ils vont tous nous donner un exercice, une méthode d'entraînement, des temps de repos pour faire une séance complète de musculation. Oubliez pas de liker la vidéo, commenter si vous kiffez ce concept. Et on est parti. Premier youtubeur qu'on appelle, c'est Thomas Ranieri. Allô. Putain, il vient de se réveiller. Oh, tu viens de se lever, il est 13h. T'aurais pas pu te préparer pour Fitness Fusion là. Bon, apparemment aucun des deux est capable d'enregistrer correctement, donc je vais vous redonner l'exercice. Donc vous allez me faire dips lestés. Vous choisissez un poids, vous pouvez faire 10 répétitions propres. De suite sans pause, tu divises ce poids par 2 et tu recommences 10 répétitions. Ensuite tu délestes tout le poids et 10 répétitions au poids du corps. 4 fois et prendre 3 minutes de repos à la fin du drop set. Ça arrache vraiment. On va voir si la puissance au bench de Pimousse va lui servir. J'ai hâte. Merci Thomas Ranieri pour le street workout. On kiffe. T'as, tu le sens bien. Ah, c'est. T'as mis lourd, je trouve. En vrai, ça va. Franchement, je trouve que t'as mis lourd. Il veut deuxième série. C'est une deuxième fois. Enfin, non, c'est toujours une série là. Ouais. 9 et 10. Dans l'élève, j'ai toujours fait 10. Franchement, c'est pas facile. Bah non, c'est pas facile. Ça brûle. Là, on dirait pas Rock Lee qui lâche les poids. Il va s'envoler là. Là, tu parles d'amplitude, mais la tienne, elle est pas grande non plus. Hein. Au dips, t'as une petite amplitude. Hein. Mais c'est parce qu'après, sinon, je touche au sol. Allez, montre comment t'es fort. Lui, il préfère ne pas mettre la ceinture parce qu'il aime bien avoir des trucs entre les jambes comme ça. C'est lui qui dit ça, deux gros disques entre les jambes. Hein. Une belle petite lame de disque qui lui rentre dans le fion. T'as quand même une haltère juste en dessous. Ouais. Ça, c'est exercice Thomas Ranieri. On soude des trucs dans le huc, on monte, on descend. Allez, jusqu'à 20. Bien. Allez, les dernières poids du corps. Merci, je vais pas me blesser. Hein. On va chercher les 30. Allez, sans temps de repos. Boum, envoie. Allez, envoie. 1, 2, 3, 4. Ok. C'est du cardio de la muscu. Ça brûle hein, quand oui. même. J'ai senti wow. les pecs direct moi. Du coup, 3 minutes de repos. Là, on a fait 3 séries, mais ça vaut pour une seule série. Ouais, c'était pas facile hein, ça. C'est pas facile du tout. Il veut nous tuer dès le début de la première séance. Premier exo, il veut déjà Il a pas compris qu'on appelle d'autres youtubeurs derrière. Allez. Huit encore, allez. Allez, encore. Encore. Ah, c'est bien. Ah, je lui en veux là. Ah, lui en vouloir. C'est toi qui as mis lourd. Je respecte mes abonnés. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je crois que la troisième, je vais pas assumer. Je t'avais dit. Allez, on voit. Allez. Ouais. Bien. Tranquille, j'ai de la réserve. Il a dit de garder de la réserve. J'ai l'impression d'avoir les couilles posées sur une haltère. Exercice de Thomas Ranieri. Ok, poids du corps, fini. Allez, on voit vitesse. Boum. Ouais. Allez, encore 5. 3. 2. Ok. Je garde de la réserve, donc ça va. C'est le cardio qui tape, j'ai l'impression, là. Ah, ça monte. Je vais souffrir. Là, elle va être dure, celle-là, tu le sais. Ah ouais. Allez. Allez, pecs qui congestionnent, hein, ça y est. Allez, gros. 2. 5. Celle-là, elle va passer facile. Les 10, elles vont passer. C'est après que ça se complique. Allez. 7. Encore. 9. Et va la chercher, gros. Explose. Boum. Nickel. Putain de merde. Nickel. C'est bon, c'est bon. La 20, 20 kilos, prends elle va temps, faire mal. Prends le temps de décharger. Mais c'est pas normal de faire des 3 séries pour une série. Si tu arrives pas, je te mets une fessée. 7. 5. Allez. 7. Allez, gros. Encore 3. 1. Repose. Oui, repose-toi un peu. Prends un reste-pause. Ah, je dois enchaîner encore poids du corps. Ça va être laborieux, là. Non, poids du corps, je vole. Je vole, il m'a dit. Il n'a pas compris ce qu'il avait fait avant, je crois. Je crois que t'as oublié ce que t'as fait avant. 18-8 avec les charges que j'ai prises. Je suis content. Je crois que t'as oublié ce que t'avais fait avant, c'est pour ça. Eh, c'était pas facile, hein. Les pecs, ils vont exploser. Allez, envoie. Putain, j'ai jamais eu des couilles aussi lourdes. Allez, pour Ranieri, 1, 2, 3, c'est ça. 7,
8, 9 et 10. Bien. Les dips, c'est pas un exercice qui fait beaucoup, Albino. Je fais pas de dips. 40 kilos, c'est propre. Je ne fais pas de dips, mais. Enfin, si, je les fais, mais au poids du corps. Je vais pas faire le menteur. J'en fais, mais au poids de corps. Je te vois jamais te lester là-dessus. Que au poids de corps. Là, c'était bien. Je préfère faire des séries longues, parce que j'ai. Je sais pas, je suis pas fan des dips. C'est pas un exercice qui me fait kiffer. Allez, on voit. Mais il m'excite pas. Mais par contre, quand c'est Thomas qui te dit de le faire, ça t'excite. Ah, j'aime bien. J'ai envie qu'il monte sur moi. On aurait dû se lester avec Ranieri. Allez, c'est bien. Pose, décharge, c'est pas grave. J'en ai fait 10. Ah, tu restes au même poids. Allez, 10, 4, 5, 6, ok, 7. Allez, jusqu'au bout, encore. Première, ok, easy. Voilà. T'aurais pu te laisser sur les 3, je pense. Ouais, je le sais. Let's go. On appelle le prochain YouTuber qui est Thibaut Shape. Thibaut Shape. Un ami d'enfance. Nesfusion, ouais, c'est vrai que t'as un maternel avec. Je me souviens, je marchais avec, il y avait une nounou ici, là. Je donnais la main. C'est un bon gars. Et concernant le message au prochain YouTuber, c'est quand qu'on fait un feat ensemble. Allez, les gars, bon courage. Oh. Allô. Il a répondu. Oh putain de merde. C'est n'importe quoi. Allô. Il a enlevé le t-shirt, tu l'as vu? Il a enlevé le t-shirt. Attends. J'ai fait les flex matin, je vais congestionner un petit peu. Pas nous, justement, on doit y aller juste après, on a besoin de toi. Et on profite d'avoir l'avantage alors. On était surpris. Tu dis allô en fait, comme tout le monde, tu dis allô au téléphone. Bien sûr. On pensait que t'allais faire un gros Dame. Ah, t'as mis d'olive, un truc comme ça. Est-ce que tu comptes te... On en profite, on prend un peu des nouvelles. Te séparer encore une fois de Jujutsu Kat. Ah ouais, c'est vrai. J'ai vu que c'était la. Ça va, bon, oh, ça va si tu l'as vu. On a réussi à faire 1 million de vues grâce à toi, donc. On te doit un petit billet quand même. Ah, mais putain, mais dès qu'on se verra, on laissera les comptes. Oh merde. Non, Juju, pour l'instant, ça se passe bien. Tu vas bien. Ouais, c'est super. Moi, je voulais en profiter pour placer un message pour te dire, parce que les gens ils l'oublient, mais le Fit Game, si on en est là, c'est en grande majorité grâce à toi. S'il y a autant de monde qui font de la musculation et s'il y a autant de personnes qui peuvent vivre de YouTube et partager leur passion, la muscu, non, c'est vrai. Et San, il a dit dans une vidéo et il a totalement raison, donc j'en profite pour te remercier. Ah, je savais pas que t'avais préparé ça, toi. J'ai pas préparé, c'est juste, et San, il a raison quand il a dit, il avait raison, c'est non, la vérité. C'est vrai. Merci à vous, et moi, je tiens à dire un truc pour vous, les gars, très très beau physique. Aussi bien la gueule. Va me chauffer. Moi, faut pas le dire deux fois. Tu penses quoi de nos physiques? Tu penses que c'est accessible naturellement, que c'est dopé, que c'est nati? Oui, je pense que c'est accessible naturellement. À froid. Avec... Arrête, commence pas. Ouais. Pour moi, c'est accessible naturellement avec beaucoup d'entraînement et une rigueur et une discipline que tout le monde n'a pas, mais que vous avez eu. Donc bravo à vous, les gars. Merci. On est fiers d'avoir pu t'avoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. Juste avant de commencer, on a un message de Thomas Ranieri, je sais pas si tu connais. Oui. Il demande quand est-ce qu'il va fit avec toi. Est-ce qu'il a un budget? Non, je rigole. Avec plaisir. Il faut juste que, en fait, je suis chaud pour plein de trucs, mais en fait, à travers les vidéos, comme j'ai traité 15 millions de thématiques, pour réussir à faire des vidéos qui marchent, vous le savez les gars, il faut réussir à trouver du contenu un peu original. Donc c'est pas tout de fit avec une personne, il faut aussi avoir une idée. Donc après, à partir du moment où on a une idée, voilà. Bah, il verra la vidéo, il entendra ta réponse. En tout cas, on retiendra que nous, on place les gens, on se place pas nous. Hein. C'est vrai. On n'a pas demandé de fit. des grands seigneurs. Toi, tu dois donner la suite de cette séance. Donc tu as le deuxième exercice à nous proposer. Faut qu'il y ait un lien dans la séance. Alors c'est une ça séance. Ça veut nous faire mal, ça, ouais. Ça veut dire, je te le dis. On sait qu'il fait du crossfit, on a peur les gars. On l'a pas mis en dernier exprès pour pas qu'il nous mette un circuit cardio. C'est un lien, faut que ça soit une séance pec, épaule, triceps. Ah, j'avais un exo jambe là. Ouais, voilà, grave. Tout de suite. Thruster. J'avais du squat pistol. Ah, oh, on va oublier. Ok. Déjà squat à deux jambes. Un exo qui travaille les épaules, donc tu m'as dit pec, triceps, épaules. Ouais, c'est ça. Et bien écoute. Fais parler ton imagination. Donc il faudra googler un peu l'exercice pour de façon à bien le faire comme il faut. Ça va être du... Alors attends, je cherche le nom exact, on va dire de bêtises. Ça va être... Ah, attends, c'est quand tu poses l'halter et tu... En gros, tu prends deux dumbbells, tu prends deux haltères, tu te mets au sol à plat ventre comme si c'était un burpees en bas. Ouais. Et après, tu remontes en l'air avec les haltères et après tu redescends. En gros, tu travailles ton cardio. Attends, je vais retrouver l'exercice. Ça s'appelle un backflip avec des dumbbells. De ce que je comprends. Attends, laisse-moi faire une petite recherche rapide. Vas-y, je t'en prie. Moi, je remets le t-shirt parce que je suis pas congestionné, les gars. C'est burpees avec un développé militaire ou un truc comme attends, ça, j'ai déjà vu. Ouais, c'est un truc comme ça. Oh purée. Et voilà. Je savais qu'on allait faire du crossfit avec lui.
Je vois pas quel exercice ça peut être. Si, moi je connais. Avec une haltère, alors attends. T'es à plat ventre? En fait, t'es à plat ventre comme un burpee. Double devil press. Ouais, on va le noter, on regardera. Juste le nom, il fait peur déjà. Tu peux le mettre sur Google? Devil, j'impressionne. Purée. Ah non, il veut nous tuer là, je crois. Ok, c'est bon, on a l'image. Ok, je vois. Ça va, sympa en vrai. Ça va être cardio. Combien de répétitions? Tu vas faire 1 minute max de répétition. Oh mon dieu. Faut plus l'appeler. Regarde, c'est Thibaut, c'est le 5ème youtubeur français. Ce que tu veux, on t'appelle plus. D'accord. 1 minute max de rep. Combien de séries? Ouais, ça va. Alors, la version entre guillemets débutant, c'est de le faire avec une seule haltère. En plus, il nous respecte haltères, pas. Deux haltères, c'est plus dur, mais c'est possible. On va le faire à deux haltères. L'idée des poids, je te conseille de prendre les poids, tu sais, les poids hexagonales un petit peu là. Je vois. T'en as plusieurs. Et le poids femme, c'est 15 kilos. Et le poids homme, c'est 22,5 kilos. Donc, tu nous respectes pas là. Tu nous donnes des poids femmes. Toi, tu prendrais combien sur ce genre d'exercice? Je prendrai 2 fois 22,5. Ok, bon, on va prendre on deux va fois essayer 22,5. De te faire honneur. Allez, faites-moi honneur. On va mourir. Ça décoiffe. Et on fera une série de ça alors. Ouais, une seule série, tu te finis avec ça. Chacun 1 minute max de rep, tu te finis. Ok, d'accord. C'est très bien. C'est okay, déjà très très bien. Le petit pouce bleu en bas de la vidéo, abonnez-vous à leur chaîne. Hein. Allô. On t'en fait cette vidéo, on contrôle. Et à la prochaine. Boum. Bon, on va essayer de faire honneur à Thibaut. On a pris les 22. Il a dit que c'était les poids d'homme. On a quand même pris les poids de 7 kilos parce qu'on ne sait pas si on va réussir à terminer les 1 minute. 1 minute, c'est très long en burpees, les gars. Donc, on a les poids de 22. Pimous a pris les poids de 16. Ça s'appelle du double devil press, pas c'est des burpees. Ça. Donc, le nom fait peur. Le nom devil, c'est le diable. Et vu que nous, notre but, c'est de fusionner. Donc, s'il prend les 16, je prends les 22. Si je peux plus les 22, il prendra les 22 et je prendrai les 16. Tu vas pas m'arnaquer comme ça, je te le dis. Là, j'ai entendu l'arnaque. Il y a eu un truc qui a pas bien sonné. En ça gros, va pas se passer comme si ça. Je fais 2 reps à 22, j'en peux plus. Je prends les 16 et je finis à 16. Toi, tu finis à 22. On est une équipe. Non, non. Mais il est malade, lui. Il est fou dans sa tête. Allez, let's go. Du coup, pompe, on saute, on développe. Tu fais un burpees, tu remontes, tu développes, tu fais un burpees, tu... C'est vraiment un exercice, j'ai déjà mal. C'est du crossfit. Hein. Thibaut, t'aurais pas pu rester à la salle de muscu, un peu de curl biceps, on était bien là. C'est parti. T'as pas pris la bonne charge, cousin. Pas du tout. Je te le dis. Faut aller à son rythme. Ça fait du curl, ça fait un peu de tout. Ça fait 30 secondes seulement là? J'ai envie de vomir. Allez. C'est bon, je suis une femme. Ok. Je refuse de croire qu'il le fait à 22 pendant une minute. Je veux une preuve. Il reste combien de temps? Fini. Je refuse de croire qu'il fait 22 kilos une minute comme ça. C'est impossible. Je refuse de croire que les mecs qui font du crossfit sont naturels. Ah. Merci, hein. Merci Thibaut. Les gars, si vous mettez pas votre pouce bleu maintenant, vous le mettrez jamais. Gros pouce bleu sous cette vidéo. T'as fait semblant. Non, j'en ai fait plus que toi si tu veux savoir. Ouais, mais 16 kilos. Moi j'ai pris une charge que j'ai assumée jusqu'au bout. Il restait 15 secondes. Les rôles ils vont changer. Le savant et la brute, frère. C'est lui, il s'en bat les couilles. Il pense brute, que par la charge. C'est du divertissement. Ça a complètement changé les rôles. Avant c'était lui, il était là en mode non, je réfléchis comment je vais faire pour que ce soit la bonne. Maintenant il veut que bourriner le bâtard. Là, ça va. Tu veux que bourriner. C'est parce que je ressemble à un homme que tu trouves que je suis un homme. Moi je m'identifie pas comme homme, hein. Donc j'ai le droit de prendre les 16. Je m'identifie comme une haltère de 16 kilos, donc ça je prends 16 kilos. Me mettre dans une sauce. Albino, je suis désolé. J'avais oublié que t'étais en période de transition. Bon, faut respecter son choix, les gars. Il a décidé d'être une femme. C'est sa volonté. Voilà. Faut respecter tout le monde. Ça peut me permettre de prendre des charges plus petites, ça me va. Ah. Et de te sentir mieux dans ton corps. Près de nous deux, c'est toi qui as les seins. Je peux faire un pecto boom ou pas là? Ah, j'ai du mal là. C'est pour Thibaut. Tu veux faire une dédimal? Allez hop, Thibaut, on te rappellera plus. Si tu veux un feat, c'est toi qui fais la démarche. Non, ça fait trop prétentieux là. Appelle-moi, je suis dispo. Là, on va appeler un prochain youtubeur sans savoir qui c'est. Est-ce que t'as un mot à lui faire passer? Ok, alors on va rester sur la thématique du dopage, vu qu'on est sur de la muscu, on va lui poser la question, qu'est-ce qu'il pense du fait que tout le monde pense qu'il est dopé? Ah bah c'est parfait parce que c'est dans son thème, ok. Il va pas répondre, tu le connais. Ouais bro. Mon dieu. Oh le miracle. Oh le miracle. Allô, vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien, on a eu peur que tu répondes pas, hein. J'avais complètement oublié, hein, moi. Ouais, bon, je me doute. Je lui ai rappelé 3-4 fois. Voilà. Toujours malveillant, hein, ça change pas. Hein. Désolé. Avant de commencer, on vient d'avoir la Thibaut InShape et il y a un message à te faire passer, c'était... Et il demande, qu'est-ce que tu penses du fait que tout le monde pense que tu es dopé?
ou lui? C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. C'est pour ça. Bon, pour nous, il est naturel. C'est plus lui que les gens pensent ça. Ouais. J'ai vu sa dernière vidéo avec Stéphane Batala, là. Il est pas minable devant lui. Hein. Ah, il est propre, hein. Ouais, mais tu vois bien que c'est pas le même gab, quand même. Naturel pour moi, sans c'est ça. Pas le même gab, mais il était pas minable. Bah, ouais, bien sûr. Après, il s'entraîne depuis une paire d'années. Il s'entraîne bien, Thibaut. Oui, non, mais ça, c'est évident. C'est évident. Après, il est bien sec, tout ça. Donc, ça fait la diff quand t'es bien sec. Ouais, c'est vrai que ça c'est vrai. Donc, ça, c'est ta réponse. Ma réponse, c'est ça. C'est en gros. Moi, j'aimerais bien que plus de gens le pensent. Mais vu mon physique, les gens ont du mal à croire si je suis dopé. Ouais, en fait, il y a que sur une seule photo, celle que t'as trafiquée, qu'on pensait que t'étais chargé. Exactement. Ok, bon, tu sais pourquoi on t'appelle? Pas du tout. Tu as abusé trop. Bon, en fait, on appelle des youtubeurs. Chaque youtubeur nous donne un exercice de muscu et une méthode d'entraînement. Et à la fin, ça nous fait une séance qu'on teste en vidéo. Et là, c'est à ton tour pour le troisième exercice. C'est une séance pec et épaule, triceps. C'est ça. En fait, c'est toi qui choisis. On va voir si aussi t'es un bon coach. Donc là, on a eu dips et on a eu un genre de burpees avec des pour les épaules, en gros. Un genre de burpees avec des épaules. Bon, bref. Donc moi, je vais vous dire overhead press. Overhead press, j'aime bien ça. À minimum 60 kilos, bien évidemment. C'est ça, 60 kilos, c'est pour les débutants, 60 kilos. Ah, j'ai oublié que vous étiez dopé. Allez. Non. Après ce qu'on a fait là, ça va être compliqué. Non, ça va être du jus. Attends, comment ça 60, c'est pas sérieux là? Ouais. C'est du jus 60, tu rigoles? Pour combien de répétitions par contre? Vous faites des séries de 12. On fait 4 séries de 12, c'est bien. 4 séries de 12, c'est excellent. Là, ça va être dur. Non, c'est excellent, mais t'abuses. Non, 4 séries de 12, ça va. À 60 kilos, t'as dit. Ouais, 60 kilos, y'a rien. Franchement, 60 kilos, y'a rien. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, Marvel. Allez, à une prochaine. Ciao. Bon, exercice suivant, vous l'avez entendu, Marvel Fitness. Overhead press. Donc c'est du il développé. Il n'a pas précisé à celui debout, donc on le fait debout. Ouais, et debout c'est plus simple, on va pouvoir céder des gens. On faisait les malins quand on était au téléphone, c'est lourd 60 kilos. Donc on part pour 12 répétitions. Ça va le faire. On arrive toujours à se dépasser quand il y a la caméra. Essaye de pas trop tricher sur les premières. Ça se passe le squat, Johnny, ou... Nique sa mère, triche. Triche. Triche, wesh! T'es fou là, tu cherches la blessure. Triche! Marvel, on va descendre, c'est bon. Fallait tricher. Je vais passer un PR, je me concentre. C'est quand la difficulté? Quand t'arrêteras de prendre des produits, bâtard. Ouais, 12, c'est dur, je sais pas, je suis à combien. Vas-y, arrête-toi. Bon, j'attends que ce soit dur, hein. Les naturels, ils vont s'identifier à moi, je pense, à partir de maintenant. Pas ça, c'est que quand t'as 190 au bench, y'a bien intérêt que tu l'aies pas, c'est 60. La dernière fois qu'on a fait la vidéo Rudy, c'est mon épaule qui m'a bloqué. J'ai encore un peu mal, mais ça va le faire. 50? 50? Ouais. Tu m'habitues à mieux, hein. Pour travailler la pointe, tu peux le faire si tu lances des 10. Et encore là, ça va être lourd. Et je pense 40 pour 12 reps, c'est ma charge. J'ai les épaules deux fois comme ma tête. Comme quoi, l'hypertrophie, ça veut rien dire les charges. C'est dingue. Filme son gros dos, là. Encore. Arrête de faire semblant, encore. C'est un deadlift ou... Gros, tu m'as fait une poussée. T'as fait ça. Juste t'as tremblé. Bon. Il voulait que je fasse un peu les jambes, Marvel. On aurait dit que t'étais mis en mode vibreur, gros. Non, j'ai jamais été au-delà de 60 kilos sur du développé militaire à la barre. Moi, dans une optique de maintien de mon épaule, je vais descendre aussi. C'était facile. Ouais, mais tu sais où est-ce que je l'ai senti? Quoi, t'es rotateur direct. On va préserver l'avenir. T'en vois? Non, toi t'envoies, moi j'en vois rien du tout. C'est Marvel, il m'a dit Pimou si j'envoie. Toi t'envoies, ouais. Allez, c'est parti. Ouais, faut pas que je monte jusqu'en haut, c'est bon. Là, c'est propre. Je t'ai dit, niveau perf, je suis déjà monté bien plus haut que ça. À un moment, je m'étais fixé un objectif de perf sur cet exo-là. En debout, j'avais passé 100 fois 8. Mais depuis, j'ai arrêté. Ouais, mais gros, j'avais mis 6 mois, hein, avec des cycles de force et tout. Hein. J'avais pas ça fait ça comme un brin. Ça faisait bizarre de travailler en 5 reps, 3 reps là-dessus. Ah, c'est lourd. Hein. Il y a des haltéros, ils font ça avec 200 kilos, ils la passent au-dessus. Ouais, gros, mais ils sont Géchard. Oui, non, pas tous. À 200 kilos au-dessus de la tête, t'es pas Géchard. C'est de la technique, hein, gros. Il y a des haltéros natifs. En fait, c'est pas tu fais un militaire, c'est. Il pousse et il passe en dessous de la barre en s'abaissant et il remonte. 200 kilos au-dessus de la tête, on va dire un petit 150-160, je pense. Natif, ça doit se faire. Allez. Je commence à avoir chaud là. Franchement. Eh ben voilà. La séance, elle commence à bien taper. Là, c'est mes charges. Là, on est bien. Là, j'ai pas risqué la blessure. Thibaut, il y a quand même dit à Marvel que Marvel il était chargeur. Ouais, et moi, je suis d'accord avec lui. Marvel est Géchard. Franchement, la photo au bord de la piscine, là, elle veut tout dire. Hein. Ah, non, 16 abonnés parce qu'elle est trafiquée. Ah, c'est pareil, il est devenu trop gentil. Ça veut dire maintenant, on peut l'attaquer. Il dit plus rien. Les gens, ils pensent tous ça de lui. Il est trop marrant. Moi, il fume. Ouais. Tu le suis un peu sur Twitter? Ouais. Les gens, ils font des montages. C'est trop marrant, gros. Lui, je le trouve très fort en communication. C'est un monstre. Même quand il a fait des bad buzz, c'était calculé, gros. Ouais. Il est monstrueux là-dessus. Si les gens ils se rendent pas compte, il est très, très intelligent.
Allez, dernière série. Y a pas de mauvais buzz. Ça n'existe pas. Et la mauvaise baise ? Ça existe, hein. Je sais pas si tu nous attends derrière, mais j'ai vraiment pas envie. Et 12. Ça va. Ouais, j'aurais pu faire 60 x 3, y'a aucun souci. Bon, la prochaine fois, je me charge quand j'appelle Marvel, j'ai compris. Il veut que des mecs chargés. Je lui dis maintenant ou j'attends ? Tu vas voter Panacci ? Non. Quoi ? Je te le dis maintenant ou pas que t'es Panacci actuellement, là, pendant ta séance ? Bon, vas-y. Il trouve ça drôle. Pimous, à chaque fois qu'il prend un pré-workout, je sais qu'ils sont pas légaux. Alors à chaque fois, je lui dis, est-ce qu'il est légal celui-là ? Il m'a dit oui. Du coup, je l'ai. Je lui ai mis une demi-scoop. J'ai pas attention. Je t'ai mis une demi-scoop. Si je veux pas prendre des trucs comme ça, faut pas m'en donner. Y a pas de stop. On passe au prochain youtubeur. Maintenant, sans savoir qui c'est le prochain youtubeur qu'on va appeler, est-ce que t'as un mot à lui faire passer ? Le prochain youtubeur, on va lui faire passer. Ah, vous voulez pas me dire c'est qui ? Ah non, c'est le but. Ça doit être en rapport avec la biscuit, c'est ça ? Tu dis ce que tu veux. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Ok, le mot que j'avais pas, c'est « Why are you gay ?» Oh putain, lui, il veut qu'on saute, lui. Et depuis quand il parle anglais, lui ? Écoute son rire malveillant. C'est vraiment Voldemort. Eh ben, on va faire passer le message, alors. Oh. Oh, ça va et toi ? Oh, la petite voix. Une petite voix, il a passé une sacrée nuit, lui, encore. T'as les enfants cette semaine ou quoi ? Ouais, j'ai les enfants. On vient d'appeler Marvel Fitness et il nous demande pourquoi t'es gay. Bah, c'est plus que j'ai bien échangé avec toi à Gadir, c'est vrai que ça m'a... C'est qui toi ? Ça m'a changé. Bah, Pimous. Ah, Pimous, on précise les choses. C'est Pimous qui aime les hommes sur la chaîne. C'est trop grave. Toi, c'est une séance pec et poltry. Il va nous mettre du deadlift sinon, lui. Ouais. Non, ce serait bien, vous faites pas de poids de corps à HSPU, là. À quoi ? C'est Alex Einstein push-up. Ouais. Pompe verticale. Oh. Ah, il aime trop cet exercice. Mais je vous avais trouvé bon la dernière fois. Entre deux steps. Et en termes de répétition et série, ça donnerait quoi ? Moi, je dirais du 6-8 reps, une 45 de récup, 3 séries. Oh, ça va, c'est bien. Bon, on te laisse dessus, on va tester ça, nous. Merci, Pêche, d'avoir et répondu. Oublié. On passe à notre jeu préféré. Einstein push-up. Voilà. Exercice de PJ qui met des strings. Ça en dit long sur les exercices qu'il a choisi. Combien de repos ? Combien de nombre de reps ? 6-8 reps. 6-8 reps, ok. Et 2 minutes de repos. Tu crois qu'il y a des femmes qui regardent la vidéo ? Pourquoi ? J'enlève mon t-shirt. Non, commence pas à me mettre mal à l'aise, wesh. Moi, on m'a dit faut se mettre tout nu si tu veux réussir sur YouTube. Hop, petite musique sexy là. On va voir ton ventre. On va voir ton ventre quand tu vas être en. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas comme ça. Ouais, non, ça va être trop mais bien. Non, gros. Ah ouais. L'équilibre, il va pas être bon. Ah ouais. Elle est encore souple, hein. Autant je me mettre en place, explique-leur des jeux qu'on faisait quand j'étais gamin. Non, je vais rien leur expliquer. Je vais juste les laisser observer l'animal avec qui j'ai décidé de travailler. Oh putain, mais en fait, une main, c'est trop dur. Mais tu pourras pas. Ça veut dire que tu pousses concrètement 80 kilos à un bras. Tu peux pas, t'es un fou. Allez, 8 reps. Le marinier. On est vraiment sur un truc inutile. Faites pas ça, ça sert à rien. Ne reproduisez pas ce que lui il fait. T'aurais dû te mettre en chaussettes par contre. Ouais. Pour faire glisser sur le mur. Ouais, c'est vrai que les pieds ça arrache. Je l'ai vu. Moi je vais le faire comme un être humain civilisé. Pas comme un sans-papier, la vie de ma mère. Comme un clandestin, tu l'as fait. C'est du jamais vu. Oh, pas mal l'équilibre. Le sang il est remonté au cerveau sale. Je suis devenu rouge, non ? Non, ça va. Waouh ! Ressenti ? Très mauvais. C'est des séances de PJ. Non, tu peux dire séance de PNJ, carrément. C'est un pongiste, c'est pas un mec de la muscu, lui. De toute façon, et même mon ping-pong, je l'ai mis une volée, de toute façon, quand on est parti au Agadir. Quelle honte. Ça y est, il s'est résilié à faire des exercices normaux. Je savais pas qu'on faisait de la gymnastique sur FF. Vas-y, plie une jambe directe quand tu montes. Voilà. Plus jamais je fais des trucs comme ça. On voit que son chibre ouais, qui descend. Allez, c'est bon, j'arrête. On voit que ça, louloute qui bouge. Ils sont là que pour mater mon zizi. C'est bon, stop YouTube. Regardez, des années d'entraînement et de breakdance. Je vais vous montrer, moi. Fais une coupole. Pas de fois enculé, non ? Tout en douceur. Et 5, la vie de ma mère, je peux pas en faire plus. C'est trop dur comme exo. Cet exo, il est immonde. Musculairement parlant, je suis désolé, ça n'a rien à m'apporter. PJ, nul sur 20. Ce mec-là, tu lui mets des raclés au paddle, au ping-pong, à la muscu. Y en a pas marre de prendre des volets, purée. Moi, j'en ai marre qu'on parle de PJ. On passe au youtubeur suivant. Petit mot à lui avant. PJ, on t'aime. Asiatomique. Asiatomique ? Oh putain. Est-ce que t'as un mot à faire passer au prochain youtubeur ? Garde la pêche. Oh, c'est un beau message, j'aime bien. Rappeler. On appelle Asiatomique pour les plus anciens. Oh, il a répondu à la vitesse de la lumière. Hein. Allô, il est tout beau avec sa nouvelle coupe de il cheveux là. Il est tout frais. Ça va, les gars ? Ça va, bah, toi ouais, c'est. Tout va bien.
Avant de commencer, on avait un message de la part de PJ. De PJ, c'est vrai. PJ Cabriès, je sais pas si tu connais, de Body Time. Bien sûr. Il te dit juste de garder la pêche. Très bien. Bon, maintenant, pour la séance, c'est une séance pec, épaule, triceps. On a beaucoup d'exercices épaule, pec. On n'a pas encore triceps. Bah justement, moi je te dis, frérot, tu me proposes de me donner un exercice. Ah, il a été méchant. Moi, il y a un monde où je vais vous casser les couilles, voilà. Et ça va partir. Lui, quand je lui ai dit tu veux participer, il était heureux. Il m'a dit je vais vous tuer. Vous voulez transpirer ou pas? Ouais, non, oui, c'est le but. Moi, ce que je peux vous proposer pour mettre, on va dire, l'accent sur les triceps, vous allez faire des burpees. Quand vous descendez, vous descendez pas avec le bassin. Vous descendez en pompe stricte, mais serrée. Oh, l'enfoiré. Ok, je vois. Genre, les mains bien proches du bassin. Mais quand vous remontez avec explosivité sur les pieds. Donc, comme si tu partais en position de squat du à terre. Ouais. Et en fait, sur l'extension, tu viens faire une fente explosive. Dans les airs? En l'air. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais pas faire le bâtard, je voulais dire 100 reps au début, mais on va quoi sur 50 reps. C'est déjà énorme. Tu sais qu'on a jamais fait d'arts martiaux, nous. Bah, ça va, c'est des burpees. Non, c'est des coups de genoux dans les airs, là. Bon, on te laisse, on va faire ta séance. Vas-y, les refs. Allez, ciao. Merci beaucoup, frérot. Allez, j'avais dit, ouais, c'est bien d'avoir Asiatomide sur la vidéo et de dire à nos abonnés d'aller voir ce qu'il fait en ce moment. Ouais. C'est vraiment cool. Je fais sa pub avant parce qu'à mon avis, après, on va le détester. Donc les gars, il a fait sa dernière vidéo, là, comment faire pour maigrir. Allez la voir, elle est super drôle, super intéressante. Bon, on part sur de l'Asia Training. Un burpees, un petit peu poum-fou dans les airs et on a 50 répétitions à faire. Non, en gros, c'est burpees, mais quand tu descends, tu fais une bombe triceps. Hein. Ouais, c'est ça. Tu fais ça, hop, hop, hop. Mario Bros, vas-y. Marie Poppins, ou... Je suis Luigi, t'es Mario, on est parti. C'est 50 objectifs, mais je me fixe max rep. Il faut que je m'arrête si je suis mort. J'ai pas le droit de m'arrêter avant. Vas-y. Ça te va? On donne tout. Au moins, même si je fais pas 50, j'aurais tout donné. 3, 2, 1. 1. Il fait même pas la pompe triceps, s'en bat les couilles. Moi, j'y vais tranquille. J'y vais tranquille, je te le conseille. Hein. Il va me détester, Asiatomi, parce que je le fais même pas sérieux. Ça me casse déjà les couilles. Il t'en reste combien? Dès que tu t'arrêtes, je m'arrête. On va jusqu'au 50. Moi, je te suis. Encore 8. Mais va te faire enculer. Si, je te jure, j'ai bien compté. Bah, suite aussi, j'ai bien compté. Bah, vas-y, on les fait en même temps. C'est quoi? Elles sont lourdes. La vie de ma mère, ça me ralentit. Allez, il fait Rockly. Elles sont lourdes. Allez, encore 8. Allez, donne tout. Le dernier qui finit, ça m'est rapide. Oh, mais tu mets pas le genou et tu sautes pas haut. Maman. On finit en même temps, comme ça, c'est réglé. Tu as rien. Pimousse, il reste le plus terrible. Et tu te souviens ce que Asiatomique, il a dit au suivant? Ah, ils s'entendent bien, les Asiatiques, j'ai vu. Ouais, mais t'as vu ce qu'il lui a dit? Faut nous terminer. Donc c'est pas terminé. Ok, donc max pompe, one shot. Max pompe, après une séance comme ça? Ouais. Attends, ça c'est max pompe, le premier exercice du tricep. Ensuite, vous allez vous mettre en isométrie, en handstand push-up. Sans temps de repos. Et l'isométrie en handstand push-up, contre le mur, c'est pareil, ça a max de temps. T'es un enculé, toi, ma parole. Jusque là, vous n'en pouvez plus, quoi. Alors là, vous allez faire des triceps extensions au sol, c'est-à-dire position gainage, et en fait, après, vous relevez sur les mains, en position de pompe. On connaît. Ok, bah on va faire 3 fois ça dans la séance. On connaît. Ah non, attends, mais c'est un tricep ou c'est un quadricep, frère? C'est un tricep que vous allez faire 3 séries comme ça, avec une trente de récup entre chaque série, entre chaque tricep. Ça, c'est donc, du racisme, ça. Bah non, tricep, 3 séries. Bon, on n'appelle plus personne après toi. Est-ce que t'as un mot à passer à la communauté du coup? Ouais, c'est vrai. Ne vous chargez pas la gueule, comme ça vous aurez une tête de 20 ans au lieu d'avoir 40 ans. Okay. Il est bon, super. C'est un très beau message. Parce qu'on a eu Marvel juste avant, c'est bien de le rappeler. Allez, on te laisse, on va et aller on faire la séance. On t'attend dans le nord. Hein. Ouais, et viens quand tu veux. Ok, dernier exercice, un petit circuit, tricep. Ça a l'air fatigué. J'en ai ras le cul. Pompe, max rep, handstand isométrique, donc sur les bras, moi je vais mettre en indu pour si je vais pas tenir, en isométrique, donc tu restes comme ça en bas. Donc à l'équilibre sur les et bras. Dès que tu tiens plus, tu descends, et ensuite c'est, tu passes de gainage à triceps et tu remontes. Il sait pas dans quoi il se lance là, il sait vraiment pas c'est quoi ce tricep. Hein. Ça se vaut, hein. Je crois voilà. Que t'as pas compris le premier exercice, il va te carboniser. Tu arrives au deuxième, tu vas te dire, bah je tiens comment? La deuxième série. Non, premier exo, là, direct, il va te mettre dedans, tu vas voir. Ah, partir mal, mon copain. Allez, pour Newton. Vas-y, on y va. Ok,
J'avais l'impression que je faisais l'amour au sol. Je sais pas, mais je voulais arrondir à 50 avant de m'arrêter, c'est tout ce que je sais. Je vais me mettre comme as. Joigner en isométrique, c'est pas comme ça, c'est tu plies. Ah, ça faisait déjà très très mal. Ouais, j'ai tenu 5 secondes. T'as fini? Et ensuite? Ensuite c'est ça. C'est ça. J'ai déjà plus de force, si je commence à faire en double, je vais pas tenir très longtemps. Waouh. C'est des triceps qui vont pas ensemble. Tu cherches comment on bloque Newton? C'est déjà fait. Ça y est? Moi je vais bloquer les autres aussi, là c'est bon. Thibaut, pas Thibaut, je m'en fous des abonnés. Je bloque tout le monde. Bon, les gars, on avait dit que ça allait être une séance muscu. Finalement, c'était plus du crossfit, c'était bien cardio. C'était spécial, mais ça change. Voilà. Ça reste fun à faire. C'est bien, ça change un peu. C'est ça. Ceci dit, si jamais vous voulez des programmes un peu plus logiques et prendre du muscle, n'oubliez pas fitnessfusion.fr, je vous le rappelle, même si on l'a déjà dit. Si vous voulez des compléments alimentaires, Broadway, vous le savez, meilleur rapport qualité-prix actuel, code FUSION10. Merci à tous les youtubeurs qui ont participé. Ouais. Merci à Thibaut aussi de nous avoir accordé du temps. Grosse fierté d'avoir pu le ramener sur la chaîne. Je suis très très content qu'on ait pu lui parler, moi déjà. Ok, c'était qu'un appelle les gars, mais on a quand même son numéro là-dedans. Thibaut, c'est fini pour toi, hein. On va t'harceler. Hein. On peut commencer à... Si j'ai du mal à dormir le soir, allô Thibaut. Tu veux qu'on se fasse de l'argent? On fait du chantage. Ah. Thibaut, t'as 24 heures pour envoyer l'argent, sinon on divulgue ton numéro sur les réseaux sociaux. Je fais peur ou pas un petit peu? C'était dégage. Bon voilà, grosse fierté, les gars, on a commencé il y a 4 ans dans une Clio rouge avec des vieux micros, du vieux matos. Et aujourd'hui, on se permet d'avoir Thibaut sur la chaîne. Ça fait plaisir. Et d'avoir une qualité de fou, c'est nickel. Donc, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'il y ait d'autres personnes qu'on appelle. Pensez à lâcher like, à vous abonner, c'est super important, c'est ce qui permet de nous soutenir. C'était Fitness Fusion, force et fun.